stage mandataire immobilier chez Dr House. Dr House, vous connaissez? Non, pas celui-là. Dr House, c'est le réseau aux 1000 mandataires immobiliers indépendants et qui grossit chaque jour un peu plus. Désolé. Oui, Dr House, Philippe Delage, j'écoute. Ah mon Dieu. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, j'ai une urgence médicale. Lorsque je me suis lancé dans l'immobilier, je roulais en Peugeot 206. Hérité de mon papa. Tu as vu papa? 370 889 km au compteur. Mais qui avait ses limites. Hein. Oh là là. J'y vais ou j'y vais pas? Alors en 2021, comme mon secteur, c'est un peu la campagne. Pour la première fois de ma vie, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une voiture neuve. Enfin, à crédit. Un 4x4 Suzuki Jimny. L'héritier du Samouraï et du Santana. Parce que moi, mon truc, c'est de dénicher des maisons, des fermes, des ruines bien cachées dans la végétation et souvent difficiles d'accès. Et pour ça, le Jimny, c'est l'idéal. Ah oui, soit dit en passant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je l'ai choisi dans une couleur discrète. Sur laquelle j'ai bien été obligé de mettre une publicité pour que l'on me reconnaisse. Mais bien sûr, je vais l'enlever. Hein. Oui, je sais, il est sale. C'est un 4x4, hein, c'est pas une Twingo. Alors mesdames, même s'il est vrai que mon Jimny est idéal pour se garer en ville dans un mouchoir de poche, que je peux tracter une remorque, m'en servir pour déménager, pour aller à la chasse. Yuna, je t'ai déjà dit que t'étais pas un chien de chasse. Ou pour frimer en ville. Son domaine de prédilection, c'est quand même l'extérieur, la nature. Les passages à gué, de la rigolade. Les chemins étroits, du pipi de chat. La boue, il adore ça. La montagne, il en rêve. La plage, ah tiens, la plage, tu l'as pas encore fait la plage, c'est vrai? Mais alors vous allez me demander, s'il est si génial ton Jimny, pourquoi tu le vends? Bah en fait, je roule beaucoup. En 2 ans, il a déjà 105 000 km. Et comme il est toujours sous garantie constructeur, bah il est prêt à changer de main et à partir pour de nouvelles aventures. Mais aussi parce qu'en 2022, comme je voyais que je faisais beaucoup de kilomètres, et qu'il y avait un an d'attente pour avoir un nouveau Jimny, bah j'en ai commandé un. Le problème, mon nouveau Jimny, qui ne devait arriver qu'en septembre, eh bien, il est déjà là. Alors voilà, si vous cherchez un véhicule unique et polyvalent, pour la ville, pour la campagne, pour la montagne, pour la plage, pour vous amuser, pour frimer en ville, pour vous garer, et même pour dormir, bah, appelez-moi au 06 60 15 92 47. Parce qu'on peut vraiment tout faire avec un Jimny. Et toi, tu penses que tu vas aller où? À la montagne ou à la plage? Ah oui, un peu des deux, c'est possible, c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est possible. Ah oui, il paraît que on peut plus en avoir des Jimny. Il paraît que les Japonais, ils ont bloqué leurs exportations pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est juste, je vous informe. Renseignez-vous, hein. Appelez Suzuki. Son domaine de prédilection. 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 Ouais. Je sais pas, je croyais que c'était prédilection. Non, c'est prédilection. C'est prédit ou prédé? Prédit. T'es sûr? Ouais. Prédit, hein? Certain. Prédit. Voilà. Ah, prédit. Ouais. Ah, ok. Ça serait bien pour le bêtisier. Hein. C'est prédit. Ah, ok. Oui, je sais. Il est sale. Hein. Bah oui, c'est pas un 4x4, hein, c'est pas... Ah non, ça je l'ai fait, non? On l'a pas fait, ça? Non, je crois pas. Mais parce qu'en fait, je me rappelle qu'on a fait... c'est le Jimny qui a peut-être le plus de kilométrage. En France ou au monde? Oui. On a fait cette partie-là. Mais peut-être qu'on n'a pas fait...
Mais aussi parce qu'en 2022, comme il y avait un an d'attente, mais aussi parce qu'en 2022, comme je veux... Tu m'étonnes un petit peu plus à droite. Comment ? Encore un petit peu. Où ça ? Ouais, un petit peu encore à votre droite. Ah, là-bas. Là. Ah, mais c'est vrai que là, au niveau du cul, c'était mieux aussi. Là, un petit peu devant. Alors voilà, si vous cherchez un véhicule unique et polyvalent, pour aller à la pêche, à la chasse, pour travailler, pour aller en ville, pour aller dans la boue, etc., etc. C'était pas ça. Voilà, ça c'est bon. On bricolera, on coupera. Pendant que j'y pense, il paraît que pour l'instant on peut plus en avoir. Si, si, je vous assure, il paraît que les Japonais ont bloqué leurs exportations. On ne voit pas. On voit pas ? Il n'y a pas assez de vent. Pas assez de vent ? Là ? Là, comme ça ? Voit. Ah, ouais. Bah, d'accord. Alors voilà. Ah, mais toi, on pourrait faire ça, toi. Tu pourrais me la tenir. Ouais. Hop. Ouais, c'est clair. Ouais. Plus de minutes. Hein. Bon, faut pas que je lise, mais bon. Alors voilà, si vous cherchez un véhicule unique et polyvalent, c'est nul.